Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, elle sera un petit peu différente parce que le ménage qu'on va faire aujourd'hui sera un ménage de 15 minutes en live, c'est-à-dire en direct. Je vais mettre le timer, 15 minutes exactement, et je vais vous filmer ce que je peux réaliser en ce temps-là. Je vous ai déjà mentionné dans deux ou trois de mes précédentes vidéos qu'il faut en général essayer de faire des ménages rapides, vous donner un temps 10 ou 15 minutes pour faire un ménage et voir ce que vous pouvez accomplir en ce temps-là. Parce que croyez-moi, tant que vous n'essayez pas, vous ne saurez pas qu'en 15 minutes, vous pouvez faire beaucoup de choses. Surtout si vous êtes fatigué et que vous avez une journée très très longue. Avant d'entrer dans la vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble ma cuisine en ce moment et le salon. Comme ça, on va filmer. Donc, quand ça sera 15 minutes top, puis je vais arrêter. On va voir ensemble ce que j'ai pu faire. Pour que la vidéo aussi soit vraiment en temps réel, mon mari a gentiment accepté d'arrêter la caméra. Aujourd'hui, je me suis coupé le doigt, malheureusement. Très, très grosse fente. Et j'étais aux urgences pour me faire coudre le doigt. Je suis obligée de mettre un gant pour pouvoir faire quoi que ce soit parce que mon doigt doit rester sec pendant au moins 5 jours. Et donc, la salle à manger. Il reste les plateaux de ce qu'on a mangé tout à l'heure. Voilà les épices qui sont restées quand j'ai fini de préparer. Vraiment, je courais contre le temps aujourd'hui parce que avec mon doigt qui me faisait mal, c'est pas évident. Voilà la vaisselle. Ça, c'est la vaisselle sale. Celle-là, elle est propre, donc il faut déjà ranger. Quelques trucs qui traînent. En fait, la porte placard, là, s'est cassée. Donc, il faut que je la range aussi. Et le salon, voilà. Les jouets, mon premier fils, je m'assure à ce qu'il range les jouets avant d'aller dormir. Donc il n'y a pas trop grand chose au sol. Bon, pour les toilettes et tout, je sais pas si je pourrais faire ça en 15 minutes, on verra. Mon chéri est gentiment derrière la caméra. Voilà. Je vais mettre un timer 15 minutes sur mon téléphone. Alexa, can you remind me to stop cleaning in 15 minutes time? Okay, I'll remind you in 15 minutes. Voilà mon timer, 15 minutes, c'est parti. Comme vous savez déjà, si vous êtes nouveau ou nouvelle, la raison pour laquelle j'ai choisi d'essayer 15 minutes, c'est parce que je n'ai pas de lave-vaisselle. Donc, si j'avais un lave-vaisselle, j'aurais essayé le challenge de 10 minutes. Je vais éviter de bavarder et je vais ranger. J'ai fait une pizza, donc je vais ranger le reste.
médecin. Alors, on va coller. To my next reminder. Left is usually defined as location or in the direction toward the left side. Maybe the side to the north where the passenger logic takes the seat. Or, alternatively, those who are in the room to be Alexa, stop. Salon, je vais ranger le salon avant de venir faire les assiettes. Parce que les assiettes m'ont pris énormément de temps sur les 15 minutes, ça m'a pris à peu près, je dirais, 3 minutes 8
Du coup, j'ai décidé de vous accélérer la partie ici, mais j'ai accéléré sans couper les étapes et vous verrez à chaque fois comment est-ce que mon mari vous montre l'écran du téléphone pour vous épargner, car bon, c'est pas évident, surtout vu que je n'ai pas de lave-vaisselle. Je voulais aussi mentionner que ma poubelle smart que j'avais s'est gâtée. Donc, chaque soir quand je nettoie, j'accroche un plastique sur mon placard, comme vous avez vu en dessous de mon levier là. Et dès que je finis de nettoyer, je le mets à la poubelle directement. Comme ça, je n'accumule pas de saleté longtemps à la cuisine en attendant de trouver une autre poubelle smart. J'ai pris l'aspirateur. This is a reminder. Stop cleaning. J'ai arrêté. Voilà. Je vais accrocher ça. En fait, l'aspirateur est nouveau. J'ai un code de discount en coupon pour avoir 39€ en moins. Allez, checker. Je vous laisse les détails en bas dans les commentaires. Donc, en 15 minutes, qu'est-ce que j'ai pu faire? La table est propre, la salle à manger, ou du moins le coin pour manger est propre. Mes surfaces ne sont pas. J'ai quand même nettoyé ici et là-bas. Bien que je n'ai pas pu respecter mon sens de la gauche et de la droite, parce que quand vous avez 15 minutes, faites ce que vous pensez être prioritaire. Pour moi, ouais. De cette vue-ci là, c'est quand même plus ou moins propre, pas vraiment propre, mais plus ou moins. Il me reste que les assiettes parce que je n'ai pas de lave-vaisselle, donc je suis obligée de faire tour à la main. Le salon, allons regarder le salon. Voilà, donc le salon, c'est pas si mauvais que ça non plus. J'ai arrangé les sofas, c'est propre. C'est comme ma routine de chaque soir, je vous ai dit chaque soir. Je fais en sorte que le salon soit rangé, la cuisine rangée, les toilettes aussi. En 15 minutes, c'est pas possible. Donc, je vais nettoyer les toilettes après. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter ma vidéo ici. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à me donner un pouce bleu. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous avez pensé de ce type de contenu, genre en direct et tout. Si vous aimez, je ferai un peu plus que ça. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Activez la cloche de notification. D'ici à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.